Une explosion en plein désert d'Atacama, au Chili. Les ingénieurs de l'Observatoire européen austral ont en quelque sorte décapité jeudi une montagne, le mont Amazonès, qui culmine à 3000 mètres d'altitude. Cette explosion n'est que la première étape des travaux pharaoniques entrepris par l'Observatoire européen pour mettre en place le plus grand télescope au monde. Le désert d'Atacama fournit déjà l'un des environnements les plus propices à l'observation astronomique, un ciel sans nuages plus de 320 jours par an et un air très sec. Le coût du chantier est évalué à 1,1 milliard d'euros.